Et salut à tous, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Bah pour parler amélioration d'unité, mais pas des améliorations comme on a l'habitude de le voir. Et oui, petite mise en scène spéciale, hein. Vision un petit peu différente. Pourquoi? Parce que avec le 3e anniversaire de FFBE version globale, ils nous ont dit que okay, les unités de la FanFesta, qui ont été donc designées par des joueurs, seraient améliorées. Du coup, bah, aujourd'hui même, c'est parti, ça y est, c'est maintenant. Mais c'est pas des améliorations d'habilité telles qu'on a l'habitude de voir avec les cristaux, non. Les unités ont été changées directement. C'est-à-dire que si vous avez Mira, Malfazi, Beryl, Circe ou Elesperis, et bah, vos unités ont changé entre avant la mise à jour et après la mise à jour. Donc c'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire maintenant, vos unités les possèdent, on va dire, gratuitement. Il n'y a rien à faire, vous avez l'unité. Ce qui est affiché donc en noir tout à droite, loin, mon bras il va même pas, il est coupé avant. Et bah du coup, vous le possédez dès à présent. Et du coup, ok, j'ai eu plusieurs idées, soit je refaisais l'analyse complète de chacune des unités. Je me suis dit, bon, ok, on l'a déjà fait pour certaines, même pour tous. Est-ce qu'on l'a fait pour tous? Je sais plus. Je pense qu'on l'a déjà fait pour tous sur la chaîne, je suis pas sûr, mais bref. Soit sinon, je le fais exactement comme je fais mes vidéos d'amélioration d'unités, en comparant, ok, avant, après, en regardant un petit peu ce que ça change et sur l'unité. Du coup, je me suis dit, ok, partons là-dessus, on verra ce que ça donne. Si jamais vous avez envie que je refasse des analyses complètes de certaines unités, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo, juste en dessous. Je le ferai avec grand plaisir, et du coup, je me suis dit, ok, on va gagner un peu de temps tous, en parlant uniquement des améliorations, et du coup, ok, on va voir un petit peu juste les changements comme si c'était des améliorations d'unité. Et du coup, on commence tout de suite avec Beryl. Alors, Beryl, du coup, qu'est-ce qui change pour notre petit Beryl? Son dual cast gagne 2 sorts supplémentaires, enfin, plus que ça. Il gagne donc tous ses sorts de break. Et la partie sort qui faisait la résistance élémentaire supplémentaire et de l'imbusqué. On peut les voir. Hop, j'ai quand même prévu, hein, les fiches des unités. Bon, il faudra que je scrolle plus, sort que ma tête ne coupe pas la moitié des choses, et encore que les noms des sorts étant là, si je me mets comme ça, peut-être que ça gênera. Bref, du coup, ok. Son dual skill, et même les deux dual skills ont été améliorés, du coup, il gagne plus de sorts. Ok, la partie Strategius Call. Ok. Et l'autre partie aussi. Sauf que, j'ai l'impression que sur le wiki, ce n'est pas à jour. Parce que normalement, Seraphic Call, il aurait dû en avoir en plus. Bref. Mais ok, du coup, c'est 200 la gagne. Son sort de Damage Mitigation, qui permettait de le Burn to Dice Helmod, qui est un de ses cooldowns, la mitigation de dégâts qu'il apportait est passée de 40 à 50%. Deuxième cooldown qui est amélioré. Les chaînes ont changé, avant c'était du sort en finish, un seul hit. Maintenant c'est de la chaîne en disorder. Donc Beryl devient un chaîneur en disorder. Alors, un tour sur 6. Ok, est-ce que c'est sur le cooldown, que le cooldown a 6 tours, mais ok, pourquoi pas. En plus de ça, les breaks avant étaient uniquement défense esprit. Maintenant on rajoute attaque magie aussi. Et on passe sur un break de 70 à 74%, donc on le remet, on va dire, au même niveau qu'un petit peu tous les autres breakers qui ont des breaks sur des cooldowns, 74%. Maintenant, même plus haut, normalement, en général, les breakers, c'est du 70%, c'est sur la LB que c'est 74%. Du coup, lui, a ça de gagner un petit peu en plus. C'est toujours pas mal, hein, 4% de break en plus. On s'en plaint pas, ça fait quand même plusieurs dizaines de pourcentage de dégâts réduits en plus. On a donc les breaks des premiers sorts qui sont aussi améliorés, donc les deux premiers sorts qui faisaient des breaks sur à chaque fois deux statistiques, soit attaque magie, soit défense esprit, passent de 50 à 60%.
les augmentations de des résistances élémentaires passent de 50, de 70 pardon, à 75%, donc 5% de gagner en plus, mais ça peut toujours faire ça de gagner et ça de sauver. Donc, toujours dans les éléments ténèbres et lumière, je rappelle l'unité joue ténèbres-lumière. Il avait un contre, le contre est modifié. Où il est caché? Je ne le vois plus. Everyone Forge, là. Hop, donc qui permettait d'augmenter. Tac, ici. Donc c'est son. Sa provocation. Donc sa provocation. Lui rajoutait un contre au passage. Là, on a toujours le compte, mais on passe de 600% à 700% de modificateurs. Avant, il pouvait faire que 3 comptes maximum par tour. Là, maintenant, ça passe à 5 comptes. Et maintenant, on rajoute un petit coup de 15 cristaux de LB supplémentaires. On a l'un de ses sorts de buff, Event Mode, que je vais trouver ici. Qui avant augmentait uniquement la magie de 130%, maintenant ça augmente aussi l'esprit de 130% pour Béré lui-même. Ce qui est plutôt pas mal, vu qu'on sait qu'il a quand même une partie de contre. Mais avant, entre autres, ça permettait de donner disponible Seraphic Call, mais maintenant Seraphic Call est disponible de base automatiquement. Ça, c'est plutôt pas mal. On n'a plus besoin d'aller débloquer ce dual cast, c'est quand même assez cool. On a Event Judgment qui était modifié, son modificateur passe de 240 à 400%, à 300% pardon, je ne sais pas lire. Pareil, le nombre de strikes a changé, bref, maintenant on va jusqu'à 900% maximum et les chains ont changé, maintenant c'est du Bolting Strike. Alors Bolting Strike effectivement c'est un petit peu la nouvelle famille de chains, hein, exclusive à la globale. Randy, Zeno, Esther et via les sorts que Sylvie donnerait aux unités. Ça c'est pas mal, une nouvelle famille de chain. Beryl a quand même un sacré paquet de familles de chain, hein. Disorder, Bolt-Strike, Auto-Slash, Chaos Wave, bref, ça en fait quand même 4. C'est plutôt pas mal. Pénitence a aussi été augmentée. Avant pareil c'est du 250%, là on passe à du 400%. Donc sa chaîne en touch slash a été pas mal augmentée. Et Force of the Line, donc sa première chaîne en Disorder. Et bah du coup, maintenant, qui en tout cas avant était de la Divine Ruination, donc effectivement il perd la famille de chaîne Divine Ruination, mais bon, il gagne une chaîne en Disorder constante, en plus de son cooldown. Qui passe... qui n'a pas changé en termes de dégâts, par contre la partie réduction, la résistance élémentaire passe de 60 à 80%, 20% de dégâts en plus de mon tap en élément lumière, ça tombe bien, hein. Force of the Light, tap lumière de base, donc on est plutôt pas mal. Et Total Eclipse, qui est son sort de cover magique, tout classique, son cover bouge pas, par contre en plus de ça, bah juste il va se buffer à 150% d'esprit. Ce qui se fait mieux en termes de buff, donc si jamais vous jouez Beryl, vous prenez un buffer entre guillemets que pour la survie de Beryl, bah on a gagné 150% d'esprit, autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Plus sa mitigation qui est augmentée, bref, on est plutôt, on est plus que bien. Et il nous reste un sort à voir, toujours pareil, hein, toujours on gagne du buff, son dernier cooldown, qui est son cooldown un petit peu de buff, qui permet de débloquer l'un de ses gros sorts. Et bah pareil, toujours avant, on augmentait que la magie à 200%, et bah maintenant, on augmente l'esprit à 200%. On a aussi des passifs qui sont augmentés, on va pas tous les lisser, parce que là, je pense qu'il y a moins d'intérêt. Ses chances de contrer... augmente globalement de 30 à 50%, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va quand même être intéressant, donc bon, sachant que ça lui permettait de faire des dégâts et des heals, donc potentiellement ça peut être pas mal, et vu que c'est un tank,
Bon, on peut dire que globalement on subit, allez, 4, 5, 6 attaques, il y a des chances qu'il fasse et ses dégâts et son heal au passage. Sachant que son heal est plutôt intéressant vu que c'est un tank magique. Bon, si on le build de tank magique, il va avoir beaucoup d'esprit, donc son heal va être intéressant. Ses chances de contrer sont augmentées à 100%. Donc là, c'est encore mieux, hein, plutôt pas mal. On a donc l'augmentation de la magie et de l'esprit qui maintenant fonctionne avec n'importe quel team d'armes, pas que les dagues. Plutôt pas mal. L'augmentation de sa génération de LB passe de 100 à 200%. Ok, on est plutôt pas mal. C'est jusque là tout va bien. Et en plus de ça, Karmic, je le cherche, il est là. Hop. Et en plus de ça, donc la mitigation qui se mettait pendant 3 tours au début du combat de 30%, enfin avant 20%, passe à 30%. C'est-à-dire que les 3 premiers tours, on est plutôt serein. Et il gagne 40% de défense en passif supplémentaire. Et du coup, la LB a elle aussi été changée. Donc avant, on avait que réduction, enfin en tout cas break 74% pendant 3 tours sur un ennemi. Et ben ils ont rajouté un break à 79% sur les 4 statistiques pendant 1 tour sur toujours un ennemi. C'est-à-dire qu'on aura, dès le moment où on fait la LB, le tour d'après, enfin, et notre tour et le tour de l'ennemi, il sera breaké à 79%. Les 2 tours qui suivent, c'est pas forcément facile, sont à 74%. Et voilà pour Beryl Gland. Qu'est-ce que ça veut dire pour Beryl? Et bah il gagne complètement en capacité défensive et donc en capacité tank. Jusque là, bon ok, il avait pas mal de choses, mais ok, tous ses buffs, tous ses sorts autour étaient axés autour des dégâts. C'est-à-dire qu'ok, il était capable de tanker, mais tout le reste autour était fait pour qu'il fasse plus de dégâts. Là, on a augmenté un petit peu les dégâts. Mais on a aussi beaucoup augmenté sa capacité à gagner en défense et en survie quand il est en mode tank. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il revient complètement au niveau des autres tanks magiques qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ok, plutôt des bonnes améliorations pour le petit Beryl. On va passer du coup à Elesperis. Hop, là j'ai switché, hein, ça s'affiche, je vous le montre. Hop, Elesperis. Attaquante physique, mais bon, qui avait des petites particularités, des petites choses, ok. C'est vrai qu'elle fasse toujours du dégât physique. Hein. Effectivement, bon là on peut voir entre autres des nouvelles chaînes, Bolting Strike. Clairement, à l'époque, elle n'avait pas. Hein. Je peux le confirmer. Donc, voilà, ça fait partie des petites choses qu'on va voir en plus. Donc, entre autres, bah, ok, première modification, Enomancer Strike, hop, qui est là, qui était donc l'un de ses cooldowns. Maintenant, du coup, Chain en Bolting Strike. Donc, encore un allié supplémentaire sur Bolting Strike. Ça commence à monter pas mal, hein. Bon, on l'a vu, on en avait deux. Maintenant, on compte Beryl en plus. Enfin, on en avait trois, pardon, c'est Randy. 4 avec Beryl, 5 avec Elesperis. Ok, ça commence à être vraiment une famille qui prend du poids et c'est plutôt pas mal. Autre chose sur ce sort-là, donc sur son cooldown d'attaque, on va dire. Il y avait un break de 70% défense esprit, et ben maintenant du coup on passe à 74%. Et le modificateur change pour les preux. Avant, on va dire, on avait un sort qui, tous les coups, faisait le même nombre de dégâts. Et ben là, ils ont complètement changé. Les 8 premiers coups du Bolting Strike font des petits dégâts, donc là du 200%. Et par contre, le dernier coup est un sort de finish, parce que là, c'est du 800% avec 50% d'ignorant de la défense. C'est donc un 1600% le dernier coup, qui peut être augmenté x4. Et bah lui, du coup, ok.
on passe un petit peu dans ce qui se fait à l'heure actuelle avec le dernier coup qui fait beaucoup plus de dégâts vu qu'il sera, il y a de fortes chances qu'il sera en x4 si on est dans le même élément, donc ça, ça a vraiment des avantages et du coup ce sort-là va faire beaucoup de dégâts. Ensuite, Joe Drop qui permettait entre autres à Elespiris de se buffer à 80% d'attaque, on passe à 120% d'attaque. On augmente le nombre d'attaques d'attaques physiques que Elespiris va annuler sur elle-même. Avant, on en avait 2, on en avait 3. Et pareil, ça durait 3 tours. Maintenant, ça dure 5 tours. Pourquoi pas, petit buff supplémentaire, on sait jamais. Ensuite, Hades Blade. Donc avant, qui permettait juste de s'ajouter l'élément ténèbres. Et bah du coup, maintenant, en plus de ça, on va faire des dégâts. Et donc, on va faire 350% de dégâts ténèbres à l'ennemi en Chain Bolting Strike. Pareil pour la Cocytus Blade, mais cette fois-ci sur l'élément glace. Mêmes ajouts. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, on gagne deux nouveaux sorts de Chain. On va passer. Open You Up, pareil. Pass en Chain, Bolting Strike. Avance d'un sort au finish. Les breaks de défense passent de 50 à 60%. Et maintenant, du coup, on ajoute aussi une petite réduction de résistance élémentaire, glace et ténèbres de 75% pendant 5 tours sur l'ennemi. Histoire de toujours faire plus de dégâts. Tout va bien. Vengeful Blade passe en chain Aureole Ray. Avant, pareil, c'est un sort de finish. Le heal a été augmenté, c'est plutôt pas mal, va récupérer un petit peu plus de vie. Et pareil pour la partie régénération MP. Overflow, donc, qui était l'un de ses sorts de buff pour elle-même, qui permettait de se mettre une barrière, pas de changement sur la barrière. Et surtout qui lui permettait de se mettre une auréole, qui avant était à 30%, maintenant on passe sur une auréole à 80% de points de vie, donc c'est-à-dire que quand si jamais elle meurt, après avoir utilisé Overflow, elle va ressusciter avec beaucoup plus de points de vie, donc ok, pourra potentiellement même réencaisser quelques attaques derrière donc sur son tour, et du coup ne pas mourir bêtement. Et en plus de ça, et bah du coup on augmente pas mal de sorts d'attaque de 100% de modificateur pendant 3 tours. Et donc ça, comme d'hab, ça ne peut pas être dispel, c'est plutôt pas mal. Tac. Son dual skill, et ben maintenant permet de tout dual skill, c'est la fête. Donc là du coup, ok, on augmente un petit peu la diversité de spells que va pouvoir faire Elespiris. Et ça, c'est plutôt mal. Donc si on veut augmenter notre puissance d'attaque sur nos sorts en se mettant une auréole pour ensuite attaquer, maintenant on peut le faire, c'est tout bénef. Blood Dance a été modifié, pareil, on passe en chain Bolting Strike, un petit peu comme tous, et en plus de ça, maintenant on fait des dégâts, 1000% de dégâts à un ennemi, alors qu'avant on faisait que se soigner. Ah non, c'est un nouveau sort, pardon. Blood Flash, pareil, nouveau sort, Chain Bolting Strike, 1000% de dégâts à un ennemi, cette fois-ci on récupère 81 points de mana. C'est plutôt pas mal, 80 points de mana, bon alors on en consomme 64. Ça veut dire 16 points de mana gagnés réellement. Mais au lieu de dépenser 64 points de mana on va dire tout seul, bah là on en regagne, c'est plutôt pas mal. Human Splitter, Demon Splitter, donc les deux sorts qui lui permettaient de se mettre des killers humains et démons. Ça, on les a toujours. Qui avant faisait de la chain en Divine Ruination, maintenant font de la chain en Bolting Strike. Vraiment l'impression qu'ils veulent un petit peu détruire les anciennes familles de chain et en créer de nouvelles. C'est pas mal, ça évitera un petit peu à tout le monde d'être focus sur les mêmes unités en disant bah non, il faut forcément celle-là. Parce que je sais qu'il y a un tel qui arrive, bah là maintenant pour être capable de prévoir, de etc. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup ça. Blood Sacrifice, lui,
Il y a de l'agence, on ne change pas, on reste en chaîne Octoslash. Mais par contre, ok, ces dégâts ont été largement augmentés. On est passé de 430% à 750%. C'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, l'effet négatif de ce sort-là était avant de perdre 30% de ses points de vie. Si jamais on le faisait en dual cast, on perdait 60% de points de vie. Et bah maintenant, c'est plus que 15%. C'est-à-dire qu'on ne perdrait plus que 30% de points de vie sur un dual cast. C'est plutôt pas mal. Maintenant, en plus de ça, il va générer entre 5 et 10 cristaux de LB pour Hesperis à la place de l'augmentation d'attaque. Avant, il y avait un petit buff d'attaque de mémoire de 80%. On l'a plus. Maintenant, c'est uniquement de l'augmentation, de la génération de LB. Il nous reste 2 sorts à voir pour Hesperis. L'un de ses cooldowns. Son cooldown d'armure, donc qui permettait de mettre une barrière à tout le monde, et bah du coup la barrière passe de 3 tours à 5 tours. Tout le reste ne change pas, on avait déjà tout ça, la génération de LB, etc. Donc tout ça, on ne touche à rien. Et pareil, ça cooldown, son cooldown Blade, qui a été ajouté, tout nouveau cooldown, donc lui est disponible tour 1, 5 tours de cooldown. On va donc ajouter, on va faire des dégâts physiques 500% avec, on va sacrifier 50% de points de vie. Ça pique quand même. En sort de finish, mais en contrepartie, on se buff pendant 5 tours à 250%. Plutôt une bonne contrepartie. Et en plus de ça, pas mal de nos sorts sont augmentés de 150% de cooldown. Plutôt pas mal. En termes de sorts passifs pour Hesperis, elle gagne 30% d'attaque, 20% de points de vie. Mais au final, elle gagne pas réellement d'attaque vu qu'on a enlevé le sort. En fait, c'est avant, elle avait 30% d'attaque et c'est remplacé par Fang of the Vampire. Donc on gagne réellement que 20% de points de mana. Les chances d'ignorer un coup fatal ont été augmentées. On est passé de 80% à 100% de chances d'ignorer un coup fatal. C'est-à-dire que dès le moment où elle est 10% de points de vie, si un coup la tuait avant, bah maintenant non, c'est fini. 100% de chance d'esquiver ça. On est plutôt pas mal. Unstoppable, donc, qui était un sort qui lui permettait de booster son attaque et sa défense de 170% pendant 2 tours. Quand ses PV étaient en dessous de 41%, on est passé à en dessous de 81%. Beaucoup plus facile d'aller le chercher. Donc le buff est augmenté, je l'ai dit. Et en plus de ça, maintenant, elle est immunisée au stop. Ça, c'est plutôt très intéressant. Elle regagne 30% de points de mana. Et elle gagne aussi une régénération de mana. Donc 5% de mana récupéré par tour. Sa LB a elle aussi été augmentée. Quand elle est à son niveau maximum. Donc les dégâts ont été augmentés à 2x2, hein, concrètement, quasiment presque. Avant on était à 645%, maintenant on est à 1250%. Ok. Avant elle récupérait 200 points de mana, maintenant elle en récupère 260, donc plus 60, on va pas se plaindre. Et toujours pareil, l'augmentation des différents sorts d'attaque, plus 300%. En contrepartie, malheureusement, le coût a été augmenté, on passe de 26 cristaux à 30 cristaux. Il n'y en a entre guillemets que 4 à aller chercher, on a vu qu'elle avait pas mal de choses pour augmenter la génération de cristaux, donc globalement je pense que c'est largement compensé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour Hesperis dans sa globalité, sa version améliorée? Globalement, et bah, pas mal de dégâts supplémentaires, même beaucoup de dégâts supplémentaires, entre autres ces deux sorts là, 1000% de dégâts en chain, dual castable, c'est quand même assez monstrueux, on va pas se le cacher. C'est de la chain bolting strike, c'est un petit peu la chain du moment, on va dire, en plus, donc c'est plutôt pas mal. Alors effectivement, elle perd sa chain en Divine Ruination, mais bon, on a vu le vent venir, le vent a un petit peu tourné, et quasiment cette famille de chain là est... était un petit peu en train de passer dans l'oubli avec Absolute Mirror of Equity. Donc, bon.
Est-ce que c'est pour réellement tuer Divine Ruination ou est-ce que c'est pour dire non, vu qu'il n'y a plus personne qui joue en Divine Ruination, faut qu'on lui remette une chaîne actuelle. Je sais pas trop, bref. Mais concrètement, pas mal de dégâts en plus. Où est-ce que ça la mettrait? Je pense que ça la met à peu près au même niveau que les chaîneurs du moment. Alors, toujours en écartant Packred, Xeno et Axstar, qui sont un petit peu réellement le top 3. Mais, ok, elle est dans le top qui suit juste après. Enfin, si on faisait un classement en tiers, ok, il y a le tiers SSS, et puis elle est S. SS, ouais, non, on va pas dire SS, ça peut porter à confusion. Elle est S+, et les autres sont S++, par exemple. Mais ok, du coup, clairement, maintenant, bah, on peut la jouer avec une Esther, avec un Xeno. Ok, elle a clairement la possibilité de revenir un petit peu dans le game, alors qu'effectivement, elle était un petit peu tombée dans l'oubli, alors que c'est une unité qui a quand même un sprite que moi, j'aime bien. Donc, ok, quand même de belles augmentations pour Ilesperis. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas eu des petits oublis. Parce que pour moi, entre autres... Ou alors, est-ce que je me trompe? Mais j'avais presque l'impression... Avant, elle n'était pas en trou dual end, mais juste en dual end. Donc, je pense qu'il y a quelques oublis. Exactement. Comment je peux vérifier réellement? Je veux voir la version de novembre de sa sortie. Ah, bah non, j'ai rien dit. What Eagle Winting. Any weapon? Non, bah non, j'ai rien dit. Elle était déjà en trou de Valen. Tout va bien. On en parle plus. Passons à la suite. Voyons voir Malphazie. Malphazie, qui, je rappelle, effectivement, je suis pas au bon endroit. Attaque anti-hybride. Plutôt pas mal. On en a assez peu. Et donc, petite remise au goût du jour peut remettre un petit peu les attaquants hybrides à l'honneur. Et moi, j'aime ça. Vous savez, j'aime beaucoup les attaquants hybrides. Parce qu'il y a pas mal de petites choses supplémentaires que les autres font pas. Moi, je trouve ça cool. Ok, augmentation de ses sœurs actifs. On commence avec Flying Strike. Où es-tu caché, mon petit Flying Strike? Je ne te vois pas. Là. Sort de dégâts vent hybride. Les dégâts ont été augmentés. On passe de 400% à 1200%. Et la chance de confusion, avant était à 30, on passe à 60%. Et là, un petit peu l'inverse de l'Espéris, où on a enlevé les chaînes Divine Ruination, et bah pour Malphazie, on en a rajouté. Avant ce sort-là, comme Menacing Strike, qui est juste au-dessus, qui fonctionne de la même façon, qui a eu les mêmes augmentations, mais lui sur les dégâts de ténèbres, et stop à la place de vent et confusion. Et bah tous les deux étaient des sorts de finish, et tous les deux deviennent des sorts Divine Ruination. Donc... Petit gain parce que de mémoire avant elle n'avait si avant elle avait si je pense c'est chaîne en... avant elle avait des sorts en Divine Ruination mais c'était pas seul donc elle garde sa... elle reste dans la famille de chaîne Divine Ruination, ça c'est cool. Ensuite Tenebrous Dive et Areal Dive, donc tous les deux étaient augmentés de la même façon. La réduction de la résistance élémentaire passe de 50% à 75%, plus 25% de dégâts. Tout simplement pour les prochains sorts de Malphazie, quasiment tous ces sorts sont ténèbres et vent, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, donc, qui avant ces deux sorts-là étaient justement donc, les deux sorts en chaîne Divine Ruination, donc tous les deux passent en chaîne Bolting Strike, donc encore un nouvel allié Bolting Strike. Ok. Famille de chain, on passe de 3 alliés avant la mise à jour, on passe à 6. Alors, il me faut mes deux mains. Donc, plutôt intéressant. Hormis ça, les dégâts, eux aussi, ont été augmentés. On est passé de 800 à 1800%, donc juste plus 1000% de... Voilà. Hein. Tout petit ajout, hein. Bref.
et elle continue de s'ajouter l'élément en fonction de ce qu'elle a utilisé. Fist for Crows, donc son sort de soins et de buff. Maintenant, elle récupère 100% de ses points de vie, alors qu'avant, elle régénérait juste 10 000 points de vie. À l'époque, 10 000 points de vie, je pense que c'était pas déconnant. C'était assez compliqué de les atteindre tout en ayant un bon niveau d'attaque et de magie. Peut-être que maintenant, effectivement, peut-être qu'avec les passifs et autres, elle peut les dépasser plus facilement. Donc 100% de points de vie, c'est peut-être plus safe. Par contre, elle gagne surtout un buff d'attaque et de magie 200% pendant 4 tours. Ce qui est plutôt plus qu'intéressant et dont potentiellement on peut faire rentrer ça dans la rotation histoire d'aller chercher des dégâts supplémentaires. Thousand Wings, qui est son sort de chain en tornado, pareil, ses dégâts ont été augmentés, plus 1000% de modificateur pour la version simple, pour la version améliorée, donc dès le moment on l'utilise après un sort en Thousand Wings, on est passé de 1100% à 2400%. Pareil, bonne augmentation des dégâts. Aggressive Flock, nouveau sort qui lui permet de dual cast tous ses sorts. Voilà, comme ça c'est fait. Il y en a un qui est pas mis parce que c'est son contre. Hop, ensuite donc on repasse sur les sorts de dégâts hybrides ténèbres et vent, cette fois-ci donc un petit peu leur dernière version. Donc là, juste augmentation des dégâts, on passe de 1100 à 2400%, plus que double les dégâts, hein, juste ça. Elle gagne un nouveau sort, cette fois-ci des dégâts hybrides neutres, turmoil, 2400%, mais cette fois-ci en chain bolting strike. Du coup, ça lui fait 3 sorts de Chain Bolting Strike, 2 élémentaires, 1 non élémentaire. C'est plutôt pas mal. Et du coup, dernière augmentation dans les sorts actifs, son cooldown, donc son premier cooldown, disponible pour 5 tours de cooldown, qui permettait d'ajouter des killers physiques magiques contre les oiseaux et contre les démons. Maintenant, en plus de ça, augmente l'attaque et la magie de 200% pendant 4 tours. Et les dégâts de ce sort finish ont été augmentés de 2600% à 4000%. Presque le double. Celui-là a pas le droit au double. Désolé. C'est comme ça. Mais bon, 4000% en finish, 4 x 4, 16. 16000% de dégâts si on le met dans une chaîne x 4. Hein. Juste ça, entre guillemets. Plutôt pas. Niveau de l'augmentation des passifs, elle gagne 30% d'attaque et de magie, mais elle gagne aussi, on va aller le chercher parce que là ça vaut le coup quand même d'aller chercher un petit peu tout ça, parce que là elle gagne quand même pas mal de choses. Elle gagne 50% d'attaque et de magie d'équipement lorsqu'elle est équipée de 2 armes, donc elle gagne un True Dual Wield, et en plus de ça, elle gagne l'amélioration des modificateurs de chain, comme Xeno qui était le premier à avoir ça. Donc sa chain à elle peut monter jusqu'à x6 de dégâts au lieu de x4, dès le moment où elle est équipée de 2 armes. Donc là on est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt une très belle amélioration là-dessus pour Malphaz. Ensuite, son contre, on a été le voir rapidement tout à l'heure, en fait, qu'on est passé dessus. Qui avant, donc elle avait 30% de chance de contrer aussi bien une attaque physique que magique, on passe à 50%. On a toujours une seule attaque max par tour, mais derrière, le sort Vengeful Sky, qui avant était un sort de finish qui faisait que 1 hit, qui permettait de toujours, il fait ça, ça change pas, les breaks, l'attaque et la magie sont toujours réduits de 60% pendant 4 tours, mais les dégâts ont été augmentés. On est passé de 400% à 1200%. Et la famille de Chain a changé aussi. Avant, c'est du finish. Maintenant, on est sur de la chaîne en Divine Ruination. Donc, compte possible en Divine Ruination. Imaginons qu'on ait deux Malphazi qui contrent en même temps. La chaîne va monter et ça va faire pas mal de dégâts quand même. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être des petites choses à aller chercher là-dessus.
Elle gagne 20% de défense d'esprit, de points de vie et de points de mana supplémentaires. Elle gagne un autre True Double End. Je le cherche parce qu'en général c'est assez visible, c'est ici. Donc c'est dans le cas où elle équipe, on est équipé de sa TMR et de sa STMR. Donc le True Double End passe de 30% à 50%. Au total, avant ça veut dire que globalement 20% de True Double End. Bah maintenant, on est passé à 100% de trou de baleine. Ce qui est plus que raisonnable, quand même. Voilà, hein, ça plutôt très intéressant. Et sa génération de LB passe de 50 à 100%. Plutôt pas mal. Dernier passif qui est amélioré. C'est killer natif contre les oiseaux et contre les démons, 50%, donc ça ne touche pas. Par contre, elle gagne plus 400% de modificateurs passifs, on va dire, sur ses sorts de vent. Tous ses sorts de vent sont augmentés de plus de 400%. Plutôt pas mal, vu que c'est là qu'elle fait le plus de dégâts. Et en plus de ça, les dégâts de la LB ont été aussi augmentés. Avant, c'était que 20%, on passe à 30%. Et justement, en parlant de sa LB, bah, allons la voir tout de suite. Sa LB, niveau maximum, désormais Chain en Stardust Ray. Avant, c'était uniquement 3 hits. Donc là, du coup, ok, nouvelle famille de Chain. Bon, alors, uniquement sur la LB, mais c'est toujours très intéressant d'avoir une LB qui Chain hein, pour... faire des missions ou voire faire beaucoup de dégâts. En général, les LB font beaucoup de dégâts, donc ça peut être l'occasion de jouer là-dessus. Le buff attaque magie est passé à gagner 10% supplémentaire. On est désormais à 150%. Les dégâts ont été augmentés. On a gagné plus 3 et 4. On a gagné 700% de dégâts. C'est pas mal, c'est une petite augmentation. Ça aurait pu être peut-être un petit peu plus des autres augmentations qu'on a vues. Et désormais, avant, on ne débloquait quand on faisait ça LB que Raccoon Storm. Désormais, on débloque aussi Showering Storm. Mais je pense qu'on débloque quand même Raccoon Storm. Je pense que lui, il était pas là avant. Mais... moi, je pense que justement, ces deux sorts-là, ces deux nouveaux ajouts, qui sont débloquables uniquement que via la LB. Les deux fonctionnent de la même façon. Les deux chaînes en Bolting Strike font tous les deux 5400% de dégâts à tous les ennemis. En hybride, l'un en vent, l'un en ténèbres. Le premier, du coup, va mettre confusion et aveuglement à tous les ennemis à 100%. Pour la reine, ça, je pense que c'est pas mal. Il y a moyen de s'amuser. Le deuxième, on remplace la confusion par la paralyse, tout simplement. Ah si, Raccoon Storm, on l'avait avant, mais cette chain est en tornado. Ok, autant pour moi. Maintenant, c'est du bowling, ça. Donc voilà pour Malphazie. J'ai envie de dire un petit peu comme Elesperis. Grosse augmentation de dégâts, une vraie remise un petit peu au goût du jour, concrètement, parce qu'effectivement, on était daté un petit peu... pas d'amélioration de skill avant, en tout cas aujourd'hui. Donc là, ok, remise au goût du jour. Quoi, revient jouable. En termes de... ouais, je pense qu'elle revient à peu près au même niveau que les meilleurs attaquants hybrides. Clairement, ça... C'est clairement plus que sympathique. Pour Malphazie. Globalement, clairement, toute l'amélioration de Malphazie, c'est que du dégât. Il n'y a rien d'autre que de l'augmentation de dégâts. Donc, au moins, c'est simple et clairement, ça la remet bien. Maintenant, du coup, fait qu'elle ait du True Dual Wield natif 100%, c'est quand même excessivement fort. Du coup, sa LB devient obligatoire. Enfin, pardon, sa TMR ou sa SMR devient obligatoire. Avant, de mémoire, ouais, on la mettait, mais c'était pas ouf non plus. Enfin... ok, on gagne un petit peu, mais pas autant qu'on gagne maintenant. Maintenant, clairement, TMR, STMR, 100% obligatoire, on peut pas passer à côté. Elle gagne du Bolting Strike, plutôt pas mal.
Bon, c'est dommage que sa LB soit du Stardust. Pour moi, c'est le vrai bémol. Mais bon, quoi qu'il arrive, on va la faire pour aller accéder aux 200 Boltnix Strike qui sont complètement fous. Enfin, 5400% hybride. Ça va faire des dégâts monstrueux, ça, je pense. Et on les débloque pendant 3 tours, c'est-à-dire qu'il faudrait idéalement aller chercher la LB tous les 3 tours, et je pense que c'est jouable. Ça aurait pu être intéressant peut-être de lui mettre un triple cast. À l'heure actuelle, elle est limitée à du dual cast. Alors que bon, on est quand même dans l'ère du triple cast. Un peu comme Elspiris, Elspiris pareil, hein, n'a qu'un dual cast, elle n'a pas gagné triple cast. Ça aurait pu être intéressant de gagner un triple cast sous condition... Bon, alors peut-être pas de la LB parce que là ça aurait été beaucoup trop fort, mais peut-être d'un cooldown. Et que les deux soient un petit peu en déphasé et qu'on doive choisir. J'aurais aimé ça. Mais en tout cas, de belles augmentations de dégâts pour Malphazie. Vous pouvez les ressortir, ça va faire du dégât. Faites-vous plaisir. Ok, on passe à Circé. Attaquant magique. Et donc, qu'est-ce qu'il gagne comme augmentation? Pareil. Alors, ces deux premiers sorts, même type de changement. Donc l'un était en dégâts feu, l'autre en dégâts glace. Donc ça ne change rien. Les modificateurs étaient augmentés de 260 à 600%. La génération de LB, avant on avait 5 cristaux, maintenant on en a 10. Deux fois plus. Nice. Les deux sorts étaient en finish, maintenant tous les deux chain en absolute 0. Absolute 0 pour rappel, c'est Christine, Mediena et Randy. Alors, on oublierait presque CG Charlotte, qui maintenant fait partie de cette famille de chain aussi. Circe vient s'y rajouter. Et désormais, plus de ça, il va s'ajouter... l'élément feu ou l'élément glace pour toutes les attaques physiques pendant 4 tours. A voir si ça vaut le coup, parce qu'il fait quand même des attaques magiques. Ouais, ça c'est pas dit. Ok, ensuite donc son predict cyclonique, qui lui pareil fait des dégâts de vent, même augmentation de dégâts, on passe du coup à 600%. Génération de LB c'est pareil. Il gagne pareil l'ajout de l'élément vent sur ses attaques. Mais avant sa chain, c'était une chain de famille Quake. Et maintenant, on passe sur du Boltnik Strike. Donc pareil. Encore une fois, nouvel ajout dans la famille de chain Boltnik Strike. J'espère que Mira, la dernière unité de la FanFesta, aura aussi Boltnik Strike. Comme ça, au moins, ce sera complet. Hein. Comme ça, ça fera 5 nouveaux ajouts. La Jack, déjà, on est déjà à 4 nouveaux personnages qui peuvent chain en Boltnik Strike dès à présent, qu'on a tout de suite pour certains. Donc c'est plutôt sympathique et ça fait plaisir. Predict Cataclysme, lui aussi a changé, donc même augmentation, donc 600% de dégâts, 10 cristaux de LB générés, on s'ajoute l'élément Terre, et désormais, Heat Chain, même pas désormais, c'est un nouveau sort, autant pour moi. Donc, dégâts magie terre et sur la chaîne en Chaos Wave. Bon, alors moi j'aurais mis Quake parce qu'en plus Circe vient de perdre son sort en Quake qui est passé en Boltnik Strike. Et là du coup on lui remet pas Quake sur un sort de type terre alors que Quake c'est quand même la terre. C'est dommage, moi j'aurais remis ça. Bref, tant pis, c'est comme ça. Predict torrential, donc sort de magie eau, j'allais dire vent, mais non, c'est eau. Tout le prouve, je veux dire, ça se voit. Bref, 600% de dégâts aussi, on passe de 5 à 10 cristaux, on ajoute l'élément eau, et... l'appareil changement, avant c'est un sort qui chaînait sur la famille de chain Flood, on est passé sur du Boltnik Strike aussi. L'appareil, je trouve ça dommage qu'ils aient enlevé Flood. Ok, enfin, aussi bien Quake que Flood, c'est deux familles où on n'en a pas non plus énormément. La Boltnik Strike, ok,
il a gagné un nouveau sort. Bon, pas besoin d'en mettre un autre ici, d'en changer un autre à mon sens. Je trouve ça un petit peu dommage, personnellement. Mais bon, ok, plus d'amis pour Chain. Enfin, en tout cas, plus d'amis récents pour Chain, on va dire. Qui feront de meilleurs dés. Alors, avant Comdem qui permettait de caster un petit peu des sorts aléatoirement parmi plusieurs des sorts de Circe qui était là. Et ben maintenant, du coup, ça change un petit peu la donne. Il débloque un petit peu les sorts qu'il faisait aléatoirement. Bon, hop, on va aller voir parce qu'ils ont eux aussi été modifiés. Et bah du coup, ils permettent de les débloquer. Tout simplement pendant 4 tours. Pendant 3 tours. Et en plus de ça, ils gagnent un petit sort qui permet de débloquer son quadruple casque. Donc 4 casques de n'importe quel sort de Circe. Hop. Et ça pendant 4 tours. Ça, c'est plutôt un ajout relativement sympathique. Voilà. Mais de mémoire, il l'avait Circe. Parce que justement, c'est le premier à avoir le quadruple Quake et on faisait de la chaîne en quadruple Quake. Donc non, il l'avait. Juste, il devait le débloquer que via la LB et via un de ses cooldowns. Là, maintenant, nouvelle façon de débloquer le quadruple cast. Je suis sûr que c'est ça. On me la fera pas. J'ai un minimum de mémoire. J'en ai pas des masses, mais j'en ai un petit peu quand même. Du coup, donc, parlons des modifications des sorts. Hein. Tous ces sorts-là étaient là, mais avant ils s'étaient castés aléatoirement par le sort qui maintenant permet de les débloquer tout simplement. Predict Dawnpour qui maintenant passe en chain. Bolting Strike qui avant était en chain. Flood. Dégâts magie haut. Donc on est passé de 900 à 1200% de modificateurs et ça sera le cas pour les 4 autres sorts qui suivent, je ne le redirai pas, on est passé pour ces 500 là de 900 à 1200% de modificateurs. On a ajouté une génération de LB de 5 cristaux. Et pareil, ils vont tous gagner l'élément associé. Donc eau, vent, glace, feu et terre. Par contre, on a effectivement changé les familles de chain, mais c'est les mêmes chaos. Les mêmes camps, pardon. Donc les sorts glace et feu chain en absolute 0. Les sorts eau et vent en bolting strike. Et le sort terre désormais chain en chaos wave. Sans ça, voilà. On a fait tous les changements de ces sorts là. Au moins, ils seront faits. On n'en reparlera pas tout à la fin par rapport à la liste qui est sur Reddit. Du coup, on était à Comden. On passe à Predict Rapture. Qui maintenant... avant était de la magie neutre qui maintenant est de la magie lumière. Petite modification négligeable. Hein. On passe de 425 à 450% de modificateurs. Donc l'augmentation de ça. J'arrive à le faire avec mes doigts, ça. Toujours même augmentation de LB, on passe de 5 à 10 cristaux. Et avant c'est un sort de finish, désormais on chain en disorder, donc pareil, nouveau personnage chain en disorder, on va commencer petit à petit à en avoir de plus en plus, ça peut être une des nouvelles familles de chain sur le jeu qui monte fortement en puissance, ça peut être pas mal. Désormais clairvoyance permet de dual cast tous les sorts, dont... Comden qui permet de débloquer les autres sorts, et ça c'est plutôt pas mal. On peut se dire qu'on perd pas un tour pour débloquer les sorts, mais on peut se dire que on peut, on va dire, dès le début, faire un dual cast déblocage plus le cooldown de buff par exemple, qu'on va voir juste après. Ça c'est plutôt intéressant. Du coup, bah justement, en parlant du cooldown de buff, ces tours n'ont pas changé, ça aurait pu être intéressant qu'il y ait moins de tours de cooldown, parce qu'on a quand même 9 tours de cooldown, c'est assez cher, mais pourquoi pas. La génération de LB, on passe de 20 cristaux à 40 cristaux, donc on double, 40 cristaux, c'est plus que raisonnable, hein. Je pense que ça génère sa LB, oui c'est ça, hein, ça. Automatiquement on aura sa LB tout le tour d'après. Ça peut être intéressant de faire 2-3 petits trucs avec ça.
Et son buff de magie passe de 150 à 200%. Plutôt pas mal. Et il est toujours pendant 10 tours, donc il couvre toujours l'intégralité de son cooldown. Ça, ça reste pas. Mais bon, pour générer l'ALB plus rapidement, ça aurait pu être intéressant qu'il soit plus bas. Quitte à justement ce qu'on se dise, ok, je perds une partie de mon tour juste pour aller chercher ma LB, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'aurais aimé. Et du coup, le deuxième cooldown est lui aussi modifié. On passe du coup d'un break 60% d'esprit à 70%. 2-3 tours à 4 tours pour le break, pour tous les ennemis. C'est plutôt pas mal. Et donc, en plus de ça, ce sort faisait des dégâts de 400%. Est pas mal, c'était, pour l'époque c'était pas mal. Bah là on a juste fait x10 en fait, on est passé de 400 à 4000%. Toujours en finish, et donc qui dit finish dit et bah qu'on peut mettre ça en x4. En plus de ça, ça ajoutait des dégâts tour par tour. Pendant 4 tours, donc l'ennemi prenait des dégâts automatiquement à la fin de ses tours. De 400%, on est passé à 2000%. Pareil, ils sont toujours faire plus de dégâts. On va désormais... Alors du coup, je pense que ça n'y est pas, effectivement. Réduire la résistance de tous les éléments, je ne le vois pas. Et je suis plutôt tendance à me fier au wiki. Je pense que le wiki a plus raison. On peut tenter un petit refresh, mais je pense que le wiki a raison. Je pense qu'entre le premier data mining... Et la version finale, il y a eu des petits ajustements. Par contre, du coup, bon, bah voilà, tous les sorts que débloquait Dunpour sont débloqués via Ouroboros, le cooldown. Et autre changement, quand même, qui est important de noter, c'est que depuis tout à l'heure, on voit que Circe a moyen de s'ajouter un élément en fonction des attaques qu'il faisait. Ouais, d'ailleurs, je pense que la réduction en essence élémentaire, enfin, en tout cas, il y aura un vrai intérêt, mais... Parce que sans ça, j'en vois pas, mais bref. À voir en jeu, si la réduction en essence élémentaire, mais potentiellement, il y est. Parce qu'évidemment, on peut s'ajouter un élément, par exemple, ici, l'élément eau, complètement au hasard. Et du coup, ces sorts sont devenus magiques, mais de type attaque. Et donc ça, quand on dit, en tout cas quand on précise, quand on a une petite étoile en général, c'est-à-dire que, alors certes c'est un sort qui fait des dégâts magiques, mais la base du sort c'est de l'attaque. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'élément de l'arme, ou l'élément que l'unité sera ajoutée pour les attaques physiques. Donc ça c'est pris en compte, donc, c'est-à-dire que si on a fait Predict Torrential Omen juste avant, et c'est-à-dire que le tour d'après, Ouroboros fera des dégâts d'eau. Les killers physiques sont pris en compte aussi, etc., etc. Mais c'est surtout très intéressant pour l'élément de la magie qui est ajouté, vu que là, en plus, il a quand même accès à 5 éléments, il peut s'ajouter les 5 éléments, donc en fonction de l'ennemi et potentiellement de vos réductions de résistance élémentaire que vous avez avec d'autres unités, bah, ça peut être intéressant de se dire, bah, en fait, ok, je vais passer dans le vent, je vais passer dans la terre, etc., etc., faire en fonction de ça, c'est plutôt pas mal. Niveau des passifs, assez peu d'augmentation au final pour Circe, il gagne 200% d'esprit, ok, pourquoi pas. Il gagne 50% de génération de LB supplémentaire, et il gagne 50% de trou double end et de trou dual wield supplémentaire. Avant il avait juste ces deux là, donc plus 50% d'attaque d'équipement, aussi bien qu'il ait une arme ou deux armes. Et bah désormais c'est 100%, quel que soit le cas que vous choisissez en fonction de votre équipe. Plutôt pas mal, c'est un buff plutôt intéressant, il aurait peut-être pu être un petit peu plus haut. Ouais, pour un magicien ça aurait peut-être été trop fort, plus haut. Ok, il nous reste à voir la limit burst. La limit burst a elle aussi été modifiée. Et donc entre autres, là on a de la réduction de la résistance élémentaire, mais... Peut-être qu'ils l'ont quand même racheté sur le cooldown. On le saura en allant voir sur le jeu. Je ne sais pas si c'est, donc je ne peux pas aller vérifier. C'est bien dommage.
Donc avant qu'on avait la réduction de la résistance élémentaire, donc des 5 éléments, donc toujours feu, glace, eau, vent et terre. Avant c'était 60%, on passe à 100%. Juste 100% de réduction de l'essence élémentaire de 5 éléments, c'est juste complètement fou. Pendant 4 tours, pardon. Les dégâts sont augmentés, on passe de 2400% pardon, à 3200%. Donc pareil, je pense que ce n'était pas le cas, mais pareil, même changement, maintenant les dégâts sont de type physique, mais font des dégâts magiques. Donc prise en compte des éléments que Circe se serait rajouté. Et en plus de ça, désormais, il s'ajoute une petite récupération de points de mana. Donc 160 points de mana récupérés par tour pendant 4 tours. C'est-à-dire 40 points de mana récupérés par tour. Et pareil, il gagne accès au quadruple cast et aux 5 autres sorts de dégâts supplémentaires. Donc pareil, qu'est-ce qu'on peut dire pour Circe dans sa globalité ? Encore une fois, des belles augmentations de dégâts pour Circe. Hein. On le remet au goût du jour d'un point de vue attaque magique. Une mécanique très intéressante quand même pour un attaquant magique, c'est la gestion des éléments qui peut se rajouter pour sa LB et pour son sort de cooldown. C'est quand même rare en général, effectivement. Les magiciens, ils s'en foutent des éléments. Enfin, en tout cas, c'est en fonction uniquement de leur habilité. Si l'habilité est type feu, bah, ça va taper feu et point barre. Okay. Là, on se dit, ok, y a des trucs neutres. Et bah, ok, cela, en fonction de comment on aura joué avant, il y a des éléments qui sont jouables. Voire même, grâce au triple cast, vu qu'on s'ajoute l'élément pendant 4 tours, on peut avoir une attaque à 5 éléments. Voire 6, 7 avec ses deux armes. Imaginons qu'on ait une arme ténèbre et une arme lumière. Que dans les deux tours avant de jouer le cooldown ou la LB, on a fait les 5 attaques différentes. Du coup, on a ces 5 éléments là, plus lumière, plus ténèbres. On a du coup 7 éléments. On a presque au moins de faire une attaque qui a tous les éléments. Il manque que la foudre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné une saleté de sort foudre? Ou alors, il faudrait qu'on ait une arme qui fasse. Et fou de ténèbres ou et fou de lumière ou et lumière ténèbres. Pour être capable de faire ça. Faut absolument que je regarde s'il n'y a pas moyen. Juste pour le principe de se dire, ok, j'ai fait une attaque avec les 8 éléments en une fois. Ok, je l'ai fait, j'ai réussi. Quel est l'intérêt? Bon, les 8 éléments, il n'y en a pas beaucoup. Ah, mais toi, peut-être que 2-3 éléments avec les réductions de résistance élémentaire. Deux Circe ensemble, du coup, qui vont chain sur plusieurs éléments comme ça. Ah. C'est intéressant, parce que du coup, leur chain, la chain va monter très vite. En tout cas, sur la LB, parce qu'il n'y a que là qu'il y a la chain. Ça va du coup monter très vite, il y a 12 i, du coup, ça permettra de mettre des finishers plus rapidement. Ça va faire aussi plus de dégâts. Bon. Après, l'intérêt est quand même minime. Clairement, on va pas se le cacher, l'intérêt est minime d'aller chercher 5 éléments. 1 ou 2 grand max. Ce sera largement suffisant pour que vous puissiez faire des dégâts plus que raisonnables. Mais voilà, du coup, ça le remet au niveau des autres attaquants magiques un petit peu. C'est plutôt pas mal, peut-être. Bon. Non, je pense que Circe, ça le remet plus que bien. Ça le remet plus que bien. Je pense qu'il revient dans le top sans problème. Et du coup, il nous reste à voir Myra, dernier personnage fan fait ça aussi. Dernier personnage qu'on a débloqué. Vous allez me dire, il va manquer Aura Frivia. Effectivement, il manque Aura Frivia, mais Aura Frivia n'est pas un personnage designé durant les fanfesta. Et c'est aussi la dernière qu'on a eue et qui est presque quasiment la plus au goût du jour. Quand elle est sortie, elle était déjà au goût du jour. Vu qu'elle est quand même sortie relativement tardivement. Mais Myra est aussi sortie tardivement. Et bah, du coup, on a quand même
elle a quand même droit à ses petites améliorations. Du coup, on commence par les sorts actifs. Elle peut désormais soigner le charme. Et ça, il y en a suffisamment peu pour que ce soit juste méga cool. C'est sur son sort qui permet d'infliger charme. Elle soigne aussi charme sur tous les alliés. En plus, c'est même pas que un allié, c'est tous les alliés. Je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, l'un de ses sorts de buff, donc qui avant ont déjà a été augmenté un petit peu en coût, on passe de 40 à 48% de points de mana, on s'en fout un petit peu. Qui avant buffait uniquement l'attaque et la magie à 100%, pardon, à 80%, j'ai dit n'importe quoi, à 70% même, oh là là, j'arrive plus à lire. Et bah désormais, elle buff les 4 statistiques à 100%. Et pareil, on gagne. On perd un tour par contre de buff. Avant c'était 5 tours, maintenant c'est plus que 4 tours. Mais bon, vu qu'on gagne quand même toutes les stats, etc. On va pas se plaindre. Par contre, on perd l'augmentation. Enfin, en tout cas, l'immunité au break, attaque magie. C'est un petit peu dommage. C'était quand même pratique. Et désormais, une augmentation de la génération de LB de 100% pour tous les alliés pendant 4 tours. Et un heal pour tous les alliés. 1500 points de vie au modificateur x5. Ouais, ça va faire quand même un petit heal qui est pas trop déconnant. Ce sort-là, entre autres, permettait de débloquer Interlude, vu que c'était une suite de buffs qui suivait. Donc Interlude est aussi modifié, parce que sinon, ça aurait été dommage. Son buff passe de 100 à 120%, 4 stats. On gagne 2 cristaux de LB par tour supplémentaire désormais. Et, ok, un nouveau sort un petit peu dans cette suite. Avant, c'était une suite de 3 buffs. Tac, tac, tac. Et bah, Main versé du coup, je pense. Est ajouté, et du coup, ok, nouvel élément dans la suite de buff. Du coup, il faudra 4 tours pour faire un petit peu la suite complète de buff. Alors qu'avant, ça nous permettait, entre autres, on avait du temps de répit potentiel. Bah là, maintenant, on en a plus. Donc, ça, c'est quand même un petit peu dommage. Main versé qui du coup augmente toutes les statistiques de 160% pendant un tour pour tous les alliés. Qui va healer tous les alliés. Alors moins que le sort d'avant entre autres, c'est étonnant mais pourquoi pas. Par contre 4 cristaux de LB générés et il débloque désormais Outro. Qui était déjà le dernier qu'on avait qui du coup lui est aussi amélioré. La barrière de MP gagne plus 500 points de vie. Désormais 2000 points de vie. La régénération de points de mana, pareil, plus 20 points de mana. On est désormais à 120. On gagne aussi le heal qu'on a eu sur le main versé. Pas mal. La génération des 20 cristaux de LB aussi pour uniquement Mira. Et par contre, le vrai intérêt, c'est que le buff passe désormais de 2 tours à 4 tours. C'est plutôt pas mal. Mais il est moins intéressant que le main versé, donc c'est marrant. C'est une mécanique intéressante. Hein. D'habitude, on a toujours, ok, plus on monte, plus c'est fort. Et bah là, on monte, ok, premier sort 100, 120, 160, et ensuite 140. Et le 160, il dure que un tour, c'est que ce tour-là. Donc, c'est marrant. Peut-être se dire, ok, vu que j'ai 4 tours pour faire mon main versé, je vais peut-être attendre avant de le faire, à un moment où j'ai besoin de faire beaucoup de dégâts, un moment où je vais prendre plus de dégâts. Et seulement après, je reviendrai sur mon outro avant de reprendre mon cycle. A voir, du coup, ça oblige peut-être à penser un petit peu différemment cette suite de buffs. Du coup, voilà, revenons-en au début avec un trop qu'on a déjà vu, du coup on passe à la suite. Behind the Sane, qui normalement permettait de ressusciter un allié. Désormais, c'est une auréole sur un allié à 80% pendant 3 tours. Pas mal, petit gain d'une auréole, ça peut être pas mal.
pour une fois que ce soit pas un heal, mais un support qui fasse ça. Ça peut être intéressant. Fighting, donc son sort de dégâts est amélioré. On passe de 1800% à 4500% de modificateur. La barrière désormais donne 500 points de vie supplémentaires. Donc on est passé à 1000 points de vie pour tous les alliés. C'est pas mal. Plus de points de mana aussi. Et changement de type de chain. Avant on était sur la chaîne en Divine Ruination. Désormais on est sur la chaîne en Bolting Strike. Donc attention. Petite perte d'un allié en Bolting Strike. Parce que je pense que c'était son seul sort de Nega. Oui, effectivement. Donc on vient de perdre un allié de Divine Ruination. Voilà. Comme quoi, c'est peut-être la mort annoncée du Divine Ruination. On verra. Seul le temps nous le dira. Ouf, c'était bien placé. Je suis content. Allez, sort suivant. Album cover. Qui avant augmentait la résistance au silence, qui ne le fait plus. Bah, désolé. Mais à la place, on a gagné une augmentation de la résistance à la paralysie. Et une augmentation au break attaque magie. Donc, qui, je rappelle, qui avant était dans le sort de buff. Qui du coup est déplacé dans le sort d'augmentation des résistances, un petit peu global, et altération d'état et break. Donc un petit peu plus de cohérence, moi ça me plaît. Et pareil, les tours sont réduits, avant c'était pendant 5 tours, maintenant c'est que pendant 4 tours. Et pareil, petite augmentation des points de mana. Désormais un peu de Valkas ses sorts, c'est plutôt pas mal, hein, entre autres, je sais pas... Et du coup, ça permettrait entre autres de faire... Bah, avant, elle était coincée. Elle était obligée de faire un trou, puis interlude, puis autre trou. Elle faisait rien d'autre. Bah là, désormais, on peut faire et un trou, et résistance et break. Puis le tour d'après, et interlude, et un cooldown. Puis le tour d'après, main versée, et une auréole, etc., etc. Ça, c'est plutôt intéressant, et c'est un vrai gros ajout pour Mir. Et bah du coup j'ai parlé des cooldowns, bah autant y aller directement parce que c'est les trois derniers sorts actifs qui sont améliorés. Avant on avait une partie récupération de points de vie et de points de mana pour tous les alliés en continu pendant 2-3 tours, je me mémoire c'était pendant 3 tours. Et bah désormais c'est une barrière de 2000 points de vie qui sera posée pendant pour tous les alliés. C'est une barrière à dure 3 tours. Alors ça, moi, je suis pas d'accord. Je préférais clairement la régénération passive pour tous les alliés. Moi, je pense que là-dessus, on perd quelque chose. C'est que mon sentiment, parce que j'aime pas spécialement les barrières. Je joue pas avec, du coup. Bref, c'est que mon avis, on s'en fout. Deuxième cooldown, avant à l'améliorer la résistance au feu et à la lumière de 100% pendant 3 tours, et bah désormais c'est plus que 75%. Allez, pareil, petite baisse, il n'y a que Mira qui subit des petites baisses légères, c'est pas non plus. Mais elle gagne d'autres trucs à côté, donc ça. Mais avant le buff durait 2 tours, maintenant il dure 3 tours, donc il dure un petit peu plus longtemps et ça c'est pas mal. Avant, elle permettait d'avoir un anti-charme, c'est plus le cas. Par contre, elle va permettre à tous les alliés de gagner 4 cristaux de LB. Et le cooldown, du coup, a perdu en vitesse, on va dire. Avant, il mettait 5 tours à se recharger. Maintenant, il ne dure que 3 tours. Et on peut l'utiliser dès le premier tour, alors qu'avant, pareil, il fallait attendre 5 tours. Donc ça, par contre, c'est un vrai plus. Dernier cooldown, augmentation des breaks. Avant, c'était break défense esprit 65%. Maintenant, on est à 70%. Et avant, il faisait des heals, maintenant il fait plus de heals. Disons. Donc, désormais, on a 10% d'esprit supplémentaire. Donc, le dual skill n'est plus débloqué quand on équipe la TMR ou la STMR. Mais du coup, on l'a vu, on l'avait tout le temps. Il était ajouté dans le sort actif. Elle regagne 10% d'esprit supplémentaire, 10% de points de vie. Sa génération de LB qui avant été de 2 cristaux est passée à 1 cristal. Un petit peu dommage. Et par contre, elle gagne Mira Legacy.
Ça, c'est nouveau. Donc, au début de chaque tour, elle va générer un cristal de LB pour tous les alliés. Ça, c'est plutôt sympa. Je trouve ça plutôt sympathique. Et je me demande si elle a pas gagné ces deux sorts là. Parce que ils sont pas mis en bleu. Donc je pense qu'elle a gagné. Je pense qu'elle a gagné les deux counters, mais je peux me tromper. 50% de chance de contrer les sorts magiques par single own qui permet aux alliés de récupérer 30 points de mana. Et 50% de contrer les attaques physiques par Dance Alone qui permet de récupérer à tous les alliés 5000 points de vie. Plutôt pas mal. Et elle gagne 2 magies supplémentaires, parce que je rappelle qu'elle a un dual cast magie blanche. Elle gagne le full life qui permet de ressusciter un allié avec 100% de ses points de vie. Et le dispel guy qui est le dispel qui permet de dispel tous les ennemis de tous les effets. Et pas d'augmentation, pas de changement au niveau de la LB pour Mira, j'ai envie de dire, elle fait déjà tout très bien, il n'y avait effectivement pas besoin de la changer. Donc voilà, pour Mira, pas mal de changements quand même. Des petites baisses, ce qu'on appelle des nerfs un petit peu dans le jargon. Passage en chaîne en Bolting Strike, mais par contre, ok, effectivement, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec la partie champ qui est splittée en 4. Ou du coup, à chaque fois, on devra faire un champ plus autre chose via le dual cast. Je pense que ça apporte quelque chose d'assez intéressant d'avoir ça sur 4 tours, voire potentiellement réfléchir entre autres, je l'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on fait le 160%. C'est peut-être sur les 5 celle qui a le moins d'augmentation, en tout cas qui level up le moins, mais c'est en même temps la plus récente aussi. Donc il y avait moins besoin de l'augmenter que les autres. C'est aussi pour ça qu'on potentiellement reste un petit peu sur notre fin. Les autres, ils ont des baf, baf, blah, comme ça. Bah, la Mira, il y avait moins besoin de la remettre au goût du jour. Elle était déjà presque, en fait. À très peu de choses près, on l'a vu, au final, assez peu d'augmentation. Assez peu d'augmentation, et ça suffit. Un petit peu plus de cohérence. Entre ça, de pouvoir faire les breaks un petit peu plus souvent. La perte du charme est dommage sur la résistance, mais maintenant désormais à soin de charme. Pour moi, c'est même un gain, en fait. Est-ce qu'elle est immunisée au charme? Ouais, elle est immunisée au charme par défaut. Donc, c'est-à-dire que même si tout le monde est charmé, elle s'en fout. Dual cast, interlude, plus soin charme, et puis hop, ça y est, c'est reparti. Toute la team est buffée plus fort que le tour d'avant, et en plus de ça, ils ont plus charme. Enfin bref, beaucoup d'avantages. Ouais, non, si, en fait, pas mal de gains. Pas mal de gains. Des petits changements sur les résistances, sur ça. Ça va un petit peu changer sa façon de jouer, mais c'est quand même un petit plus pour Mira. Et voilà, elle reprend un petit peu du poil de la bête en support, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ces 5 modifications d'unité. Oula, j'ai dû vous éclater les oreilles, j'ai déclaté mon micro. Voilà pour ces 5 modifications d'unité. Donc, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez les unités, elles sont déjà modifiées, c'est cadeau. Bref, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous. Ciao, bye bye.